Bonjour, je m'appelle Elsa, ambassadrice Décathlon Sport Canin, pratiquante de cani VTT et cani cross depuis 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien ajuster le harnais sur votre chien. En effet, un harnais bien réglé et bien ajusté est essentiel pour garantir le confort et la sécurité de votre chien durant vos sorties. Les étapes sont simples, alors prenez votre harnais et suivez-nous pour découvrir comment les installer correctement. Étape 1, préparez le harnais. Assurez-vous de détacher toutes les boucles pour faciliter l'installation. Identifiez ensuite la partie des sangles qui iront autour de l'encolure et autour du poitrail. Étape 2, vous pouvez maintenant placer le harnais sur votre chien. La partie la plus longue se placera entre les antérieurs du chien, la partie la plus courte sur son dos. Les pré-réglages ne seront peut-être pas adaptés à votre chien, n'hésitez pas à raccourcir ou à élargir au besoin. Étape 3, ajuster le harnais. Cette étape est la plus importante pour garantir la sécurité et le confort de votre chien. Une fois réalisé, vous n'aurez plus besoin de refaire les ajustements à chaque sortie. Commencez par le réglage de l'encolure. Ajustez les sangles de manière à ce qu'il y ait assez de place pour passer environ 2 doigts entre le harnais et le chien. Ajustez ensuite le tour de poitrail, reproduisez la même action de façon à laisser 2 doigts entre le harnais et le chien pour lui garantir un maximum de confort. Pour finir, assurez-vous que le harnais ne soit pas trop serré et que le chien puisse bouger librement sans que le harnais ne glisse ou ne se déplace. Les réglages doivent être faits de façon symétrique. Veillez à ce que vos 2 réglages soient identiques de chaque côté. Détachez les boucles de façon à pouvoir faire les réglages plus facilement. Étape 4, nous pouvons passer aux vérifications finales. Pour son confort, observez votre chien et assurez-vous qu'il bouge librement sans aucune gêne. Pour sa sécurité, tirez doucement sur le harnais de façon à vérifier que les boucles ne se détachent pas. Pour retirer le harnais, soit vous détachez les 2 boucles arrière et vous enlevez le harnais par la tête, soit vous déclipsez la boucle latérale avant et arrière. Et vous pouvez lui retirer par la patte avant. Si votre chien porte le harnais pour la première fois, nous vous conseillons une période d'adaptation, soit en intérieur, soit dans votre jardin, pour qu'il s'habitue au harnais. Les réglages de votre harnais sont maintenant terminés, pensez à les vérifier régulièrement. En effet, une variation de poids de votre chien, son activité ou le changement poil d'été, poil d'hiver peuvent nécessiter des ajustements. Maintenant, à vous de jouer !